Bonsoir les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro du club, le tout dernier avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde, le Mondial 2018 en Russie qui débute ce jeudi par le match d'ouverture entre la sélection du pays hôte et l'Arabie Saoudite. Et puis l'équipe du Maroc qui va rentrer très vite aussi dans le vif du sujet avec ce match contre l'Iran à Saint-Pétersbourg le lendemain. Reda Alali, bonsoir. Bonsoir les amis. Amine Rahmouni, bonsoir. Bonsoir Jalel, bonsoir les amis, je vais te reposer la question de la semaine dernière. Sens-tu la tension, sens-tu monter l'excitation? Et là, l'excitation, je sens également que ne pas vous voir souvent, c'est-à-dire vous voir une fois par semaine, non, ça ne fait pas de bien. Franchement, de mardi à mardi, c'est très compliqué. Et comme vous êtes sympa et comme vous êtes des amis, on va essayer de parler football aujourd'hui. On sait qu'il y a la pression qui monte par rapport à cette candidature du Maroc avec ce vote prévu demain, avec ce face-à-face entre la candidature du Maroc et celle du United. Nous, on va parler football. On va parler football au sujet, bien sûr, qui nous intéresse le plus directement, nos Lions de l'Atlas, et puis cette édition de la Coupe du Monde 2018. On va d'abord commencer par la sélection marocaine qui croise d'entrée donc cette formation iranienne. C'est le match le plus important, tout le monde l'a dit, hein, tout au long de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Je vous laisse avec ce sujet qui a été préparé par Reda Alali sur la participation du Maroc au Mondial 2018 en Russie. Après 20 ans d'absence et la cruelle élimination au premier tour du Mondial 1998, le Maroc revient enfin en Coupe du Monde. Un exploit auquel peu de supporters croyaient au début des éliminatoires qui ont démarré par deux matchs nuls poussifs contre le Gabon et contre la Côte d'Ivoire à domicile. Mais voilà, la machine s'est mise en route après la CAN et le Maroc s'est qualifié au terme d'une phase de groupe où il n'a pas encaissé le moindre but. L'équipe a montré de la combativité, beaucoup d'abnégation et un énorme mental. La victoire décisive en Côte d'Ivoire lors de la dernière journée en est la meilleure illustration. Une performance qu'ils doivent en grande partie au travail de l'homme à la chemise blanche, Hervé Renard. Le coach, il est arrivé et il a su former quelque chose de nouveau et nous mettre face à nos responsabilités, et aujourd'hui voilà, tout le monde tire dans le même sens et on se rend compte qu'on arrive à faire de belles choses, parce que avec toutes les individualités qu'il y a dans cette équipe, c'était pas normal qu'on n'arrive pas à faire de belles choses. Donc aujourd'hui voilà, on est satisfait de ce qu'on a fait, mais il ne faut pas que ce soit une fin en soi, pas parce que voilà, on a réussi à se qualifier à la Coupe du Monde que on va arrêter de travailler. Sur le terrain, c'est Mbarek Boussoufa qui a mené les troupes vers la victoire après plusieurs saisons décevantes. Le milieu de terrain a trouvé une nouvelle jeunesse sous le maillot national et s'est montré très convaincant dans un rôle de régulateur. Pour moi, j'ai essayé de faire mon rôle comme habitude. Bien sûr, j'ai un peu plus d'expérience que quelques joueurs. Mais ça va pas dire, ça veut pas dire juste... Que tu peux tout faire. J'essaie de faire mon rôle, j'essaie d'aider les jeunes, comme le capitaine Mehdi Benassia, comme Karim El Ahmadi, comme Nourdine Amrabat, comme des joueurs qui ont un peu plus d'expérience. Les Marocains se rendront en Russie avec l'ambition de passer le premier tour, une mission difficile, notamment en raison de ce tirage au sort compliqué. Il y a bien sûr le Portugal, champion d'Europe en titre, et l'Espagne qu'on ne présente plus, en plus d'une équipe iranienne très solide. Mais les matchs amicaux sont venus démontrer que cette équipe est en pleine confiance et qu'elle jouera sans complexe dans ce mondial, quel que soit le prestige de ses adversaires. Bien sûr, il faudra un exploit pour passer en 8e de finale dans un groupe où les deux places qualificatives semblent promises à nos deux voisins du Nord. Mais après 20 ans de disette, les Lions d'Atlas ont tellement faim qu'ils pourraient bien forcer leur destin. Voilà, est-ce que tu es d'accord avec tout ce qu'a dit Reda dans ce sujet, Amine? C'est un sujet formidable, je crois. De ma vie de journaliste, je n'ai vu de sujet aussi bien écrit.
monter et raconter. C'est du génie. Alors, voilà, je te dis, Reda, et je t'annonce que dans la deuxième partie, tu pourras envoyer l'ascenseur à Amine Rahmouni, parce que pour la première fois, on fait l'émission depuis 2 ans, et pour la première fois, bah, ils mettent la main à la pâte pour m'aider à préparer cette émission. L'équipe du Maroc, ouais. Ce match crucial, capital, bien sûr. Quasi décisif, Reda. Non, il est décisif, déjà parce que c'est le premier, donc si on attaquait par l'Espagne, par exemple, on aurait eu droit à un faux pas, voilà. Ou une tête d'affiche. Enfin, voilà. Là, on n'a pas le droit au faux pas parce que c'est les 3 points, ou au moins le point qu'on compte par défaut quand on imagine pouvoir passer. Voilà. Quand un supporter marocain, dont je fais partie, imagine passer au deuxième tour, au 8e de finale, il imagine qu'il faudrait avoir 3 points, ou peut-être, en tout cas pas 0, contre l'Iran, qui se dit exactement la même chose que ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Les Iraniens, si vous allez sur leur site, vous allez entendre la même chose. Il faut prendre 3 points contre le Maroc. Et ils se voient exactement comme nous, dos au mur. Voilà. Si tu ne les prends pas, si tu fais match nul, si tu perds, tu peux être dans une très mauvaise position dès le premier jour de la Coupe du Monde. Voilà. Si tu gagnes, ça peut ne pas être suffisant, mais tu es vivant. Voilà. Et on ne voudrait vraiment pas, dès après-demain, enfin, dès le premier match, voilà, être dans la situation où les espoirs qu'on a fondés pendant 6 mois se retrouvent brisés contre un adversaire. Tu ne veux pas, Reda, qu'on sorte la calculette d'entrée. Voilà, je ne veux pas qu'on sorte, ni la calculette d'entrée, je ne veux pas qu'on sorte contre un adversaire qui n'est pas glorieux. Ouais. Voilà, mais c'est ça pour moi la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est de jouer contre des grosses équipes, l'Espagne, le Portugal, éventuellement de ne pas passer, l'Allemagne en 86, le Brésil qui nous bat en 98, tout ça on l'a accepté, on a même applaudi à nos adversaires parce qu'on est quand même fans de sport. Mais, l'Iran, on n'enlèvera pas de la tête que c'est une équipe qui devrait être à notre portée, en théorie, et donc il faudrait au moins commencer correctement sur cette mondiale. Paradoxalement, moi je trouve que c'est le match le plus excitant de la poule. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, dans ce match-là, on ne va pas calculer. Ni eux, ni nous. Si, donc, je pense va calculer. Ah bon? Je pense qu'on va calculer, parce que les deux équipes peuvent se contenter d'un nul, elles ne peuvent pas perdre. Ouais, non. C'est des équipes, très largement. Autant pour nous que pour eux, je pense très honnêtement. Qu'eux doivent prendre les 3 points, tout comme nous. Donc je pense qu'on aura droit à un match débridé. Je pense qu'on aura droit à un match très très ouvert. Je pense qu'on aura un match extrêmement tactique, parce que je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de buts sur ce genre de match-là. Ouais. Et qui, pour moi, donc, donnera un match super excitant, bien plus contre l'Espagne, où je m'attends à beaucoup souffrir, contre le Portugal aussi, très honnêtement. Donc s'il y a au moins. Moi, le match qui m'inquiète le moins, déjà, ouais, c'est l'Espagne. Ah oui, non, mais c'est ce que je t'ai dit. Au moins, tu sais que tu vas souffrir, tu vas faire le dos rond. En termes d'émotion. Jalel, tu vas quand même rencontrer l'Espagne. Oui, oui, qu'on suit, qu'on tresse depuis. Oui, je me rappelle. Je me rappelle de. Depuis 5 ans, donc. Mais complètement d'accord avec toi. Mais c'est le match le moins stressant. Où tu t'attends. Que tu perdes, c'est normal. N'oublions pas. Limite, normal. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on peut. Donc pour moi, ce match iranien aujourd'hui est le match où je risque de prendre le plus de plaisir. Oui. Parce qu'effectivement, c'est ce match où tout est possible. Si souffrir pour toi est un plaisir. Oui, non, psychologiquement, peut-être même, je ne le verrai même pas. Ça se trouve, non, mais honnêtement, moi, par exemple, sur un match, les pénaux, je sors. Je n'ai jamais vu de pénaux depuis 10 ans. Après, les commentaires, après les analyses, il vient. Non, après, il touche l'argent. Il est payé, mais il me coûte, il me coûte un bras pour ça, pour commenter des pénalties qu'il n'a pas vu. Par rapport à cette histoire de scandale qui t'entoure. On en est Infantino jusqu'à la fin de l'émission. Pour moi, tu n'es qu'Infantino. Donc, Gianni, c'est comme ça que je vais t'appeler. Non, je suis désolé. Deux Fantino. Ouais, d'accord. Donc Gianni Infantino. Non, mais sérieusement. Maintenant, là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est un match qui devrait être à notre portée. Aujourd'hui, on a une équipe qui est quand même vachement solide, qu'on a une équipe qui a vachement progressé au niveau d'animation offensive. Donc cette équipe-là, je pense que sur ce premier match, Inch'Allah, ça va être que du bonheur. On a passé 6 mois à analyser depuis le tirage au sort, je pense, ouais, en novembre, c'est normal. C'est le plaisir d'être dans une Coupe du Monde, c'est qu'on parle, on commente les matchs amicaux, on a commenté la liste, on a commenté le tirage au sort. Ouais. C'est le plaisir, au moins on a bénéficié de ce plaisir. Ne le boudons pas ce plaisir, rappelons-nous qu'on en a été privé pendant 20 ans. Et rappelons-nous qu'une Coupe du Monde, eh ben c'est un moment un peu bizarre où il se passe des choses qu'on n'attend pas. Je voudrais vous rappeler que ces deux grandes équipes qui nous effraient à juste titre ont été éliminées au premier tour en 2014. Voilà. Pour passer, pour synthétiser, j'ai envie de dire que pour passer, il faut faire un exploit.
un exploit. Mais l'exploit existe en Coupe du Monde. Bah l'exploit, oui. C'est quoi? C'est ta surperformance alliée à une surperformance adverse. Ouais. C'est-à-dire, il faudrait que. Costa Rica en quart de finale, la fin de la finale. Voilà, le problème, voilà, faudra qu'il soit double notre exploit. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une configuration, comme on a, que toute, la semaine dernière, Reda expliqué une chose très juste, c'est qu'on tombe dans un groupe un peu bâtard, où, voilà, tu as une vraie tête. Un gros match. Il faut faire un gros match contre le Portugal, très gros match, et réitérer l'exploit contre l'Espagne. Parce que. Alors, c'est obligé, pas forcément. Si tu es au nord, si tu es qualifié à 4 points. À 6 points, oui. Quand je dis un exploit, c'est battre le Portugal. Moi, je connais. Pour moi, l'exploit, c'est déjà faire juste match nul contre le Portugal. Amine, je connais une équipe qui s'est qualifiée pour. Qui a gagné la Coupe du Monde avec 3 points lors du premier tour. Oui. Ça s'appelle l'Italie en 82. Oui, voilà. Bah, tu penses que le Portugal. Mais bon, il faut dire aussi la configuration était autre. Elle était avec le Cameroun et le Pérou, si je ne me trompe pas. Avec le Cameroun et le Pérou. Et grâce à un match nul face au Cameroun, un partout, que l'Italie de Dinosov est partie jusqu'en finale et a gagné la Coupe du Monde. Et le Cameroun de Nkono. Abega. Avant de poursuivre, les amis, les débats, on va aller retrouver Hervé Renard, le sélectionneur de l'équipe du Maroc, dans l'entretien qu'il nous a accordé dernièrement. Il évoque justement la magie de cette Coupe du Monde et la difficulté du groupe du Maroc. Hervé Renard. Je pense que c'est fantastique dans une carrière, déjà pour un joueur, pour un staff, pour un entraîneur, pour tout un pays, de jouer des équipes comme on a affronté. L'Iran, Carlos Queiroz, une équipe qui, je pense, à mon avis, tout le monde méprise un petit peu, alors qu'il ne faut pas. Ben non. Parce que j'ai vu les images de leur match de préparation contre la Tunisie. Ils ont perdu 1-0, mais on s'aperçoit d'un pressing constant. Il y a une cohérence tactique, il y a des choses qui sont respectées à la lettre. Donc voilà, c'est le haut niveau. Ensuite, le Portugal, bon, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste du football pour connaître, on va dire, leur grande star, voilà, et le champion d'Europe en titre. Et puis l'Espagne, alors là, c'est le. Pour moi, ça fait partie du gratin mondial. Mm-hmm. C'est, au niveau de l'identité de jeu, c'est quelque chose d'exceptionnel. Voilà, Hervé Renard qui lui-même disputera donc sa toute première Coupe du Monde. Il est bien entendu excité à l'idée de s'exposer universellement parce que lui, on sait aussi qu'il a une revanche à prendre. Ouais. C'est le petit entraîneur africain qui ne peut pas briller en dehors des frontières du continent. Là, il a une super belle occasion et on sent qu'il veut la saisir, cette occasion. Bien sûr, tu l'as dit, il a une revanche. Il a envie et c'est légitime de briller médiatiquement aux yeux, en particulier des journalistes de son pays d'origine qui ont tendance à considérer les exploits africains comme des sortes de, voilà, cette histoire de sorcier blanc, voilà. Il maîtrise des paramètres, et on a l'habitude de penser que c'est pas une question de compétences footballistiques, mais de quelque chose d'un peu bizarre, entre la débrouillardise, le pragmatisme. On va quand même rappeler qu'il y a eu des grands noms qui sont plantés en Afrique. Hein. Eriksson n'a pas réussi en Afrique. Guéretz n'a pas réussi chez nous. Peut avoir réussi, hein, par Claude Leroy, qui a réussi en Afrique. Non, je parle pas de Claude Leroy, moi je parle de gros entraîneurs. Qui arrive avec le statut et qui derrière, il y en a d'autres. Juste pour terminer, et Renard arrive dans cette optique-là. Renard, il a envie de montrer ce qu'il sait faire, et c'est la vitrine idéale. C'est un entraîneur qui a un vrai orgueil. Il a un ego au bon sens du terme. Il a un ego, il a envie de montrer, et c'est un moteur. C'est tous les sportifs de haut niveau le sont, il en fait partie. Il a envie de montrer à la planète entière que peut-être qu'il aurait réussi ailleurs qu'en Afrique, et ce n'est pas juste une compétence un peu bizarre qui fait qu'il a réussi. Voilà. Sauf que Renard, contrairement à d'autres, je pense qu'il vient quand même avec une certaine légitimité due à ses deux cannes gagnées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour toi. C'est ça le problème. Je pense que même pour les journalistes étrangers, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes. Les équipes aujourd'hui, c'est les équipes africaines sont de grosses équipes qui peuvent créer des surprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a un Ghana qui fait ce qu'il fait en Coupe du Monde 2010. Aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui, ce n'est plus des petites équipes qu'on est sûr de battre. Mais il vient quand même auréolé de deux titres.
récent, c'est donc aujourd'hui à la tête d'une équipe moyenne qui était la Zambie de l'époque et de la Côte d'Ivoire qui était une grosse équipe. Donc aujourd'hui, je pense que Renard est attendu. Et il vient avec une sélection qui n'a plus perdu depuis 17 matchs aussi. C'est une équipe qui ne prend pas de but. Et là, avec des joueurs de qualité. Et aujourd'hui, Renard, ce n'est plus le sorcier blanc un peu folklorique qui arrive avec sa belle chevelure et sa belle chemise blanche. C'est un entraîneur qui a prouvé sur le continent africain. C'est un entraîneur effectivement qui n'a pas eu la chance de démontrer ce qu'il avait démontré en France quand il est passé. Ça lui reste à travers la gorge. Sochaux, effectivement, puis par Lille par la suite. Donc je pense qu'aujourd'hui, Renard est un peu attendu à la tête d'une sélection où près de 60% des joueurs quand même sont des joueurs qui sont nés en dehors du Maroc, donc qui ont évolué dans les équipes européennes et que les clubs européens connaissent. Aujourd'hui, quand Abn Atiya vient sur le match amical qu'on a joué il y a 10 jours contre l'équipe de Marek Hamšík, la Slovaquie. Donc aujourd'hui, voilà, tu as le joueur de Juventus versus le joueur de Naples, donc ils se connaissent. Donc aujourd'hui, la plupart des joueurs marocains évoluent dans des grands clubs européens, ils sont connus et coachés par un entraîneur aujourd'hui qui a une certaine légitimité. Donc je pense que le côté folklorique est un peu plus bas que ce qu'on aurait pu penser. Reda. Non, juste un petit mot sur cette double CAN. On connaît, nous, la valeur d'une CAN. On sait qu'on a souffert, on a gagné une seule et on sait que c'est une compétition très dure. On sait que gagner deux CAN dessus, une avec deux pays différents, comme la Zambie et la Côte d'Ivoire, qui étaient également en situation de sous-performance en CAN par rapport à la qualité de son effectif, on sait que c'est un exploit. Mais on le sait, nous, parce qu'on est africain, parce qu'on l'a joué à la CAN. Et aujourd'hui, Renard, s'il avait gagné 2 euros, ou il avait gagné 2 Copa América, il aurait un statut 100 fois supérieur à celui qu'on a. Voilà. Il gagne beaucoup plus que 2 euros. Hein. Voilà. Pardon. Beaucoup plus que 2 euros. On va aller chez quelqu'un aussi qui gagne beaucoup plus que 2 euros. C'est Carlos Queiroz, l'entraîneur portugais. 7 ans quand même avec cette sélection iranienne. Il part juste après la Coupe du Monde. Il évoque bien sûr la difficulté de cette Coupe du Monde, de ce groupe. Mais comme il le dit lui-même, quand on va en Coupe du Monde, qu'est-ce que vous voulez? Il faut affronter les meilleurs. Et là, on va affronter les meilleurs, affirme Carlos Queiroz. Qu'on écoute. Je pense que c'est un groupe très, très attractif. Évidemment, il est très difficile pour l'Iran, très difficile pour le Maroc. Mais c'est la compétition, c'est pour ça que nous sommes ici. Nous voulons jouer avec honneur, avec dignité, avec beaucoup de compétitive attitude dans le match. Et qu'est-ce que nous voulons des matchs? Apprendre et faire l'évolution de l'équipe Maroc et de l'Iran. Et au final, nous allons essayer de faire le mieux pour faire les aficionnés, les fans de football heureux et très contents avec la performance des joueurs de l'équipe. C'est ça que nous il faut faire ici dans le championnat du monde. Voilà, cette sélection iranienne, une équipe qui a surpris tout le monde, puisque en Asie, tu parlais avant qu'on aille écouter Carlos Queiroz de la CAN, d'autres personnes ne la connaissent pas, nous non plus on ne connaît pas les éliminatoires en Asie, pourtant c'est du lourd l'Asie, hein. c'est un tout autre niveau, en tout cas chez les sélections comme le Japon, comme la Corée du Sud, comme l'Arabie Saoudite et comme l'Australie qui est venue s'ajouter donc, à cette confédération asiatique. L'Iran s'est qualifié haut la main dans son groupe avec 6 victoires et 4 matchs nuls, aucune défaite. Ouais. Donc ils ont joué quand même 10 matchs. Hein. C'est la première sélection à se qualifier pour cette Coupe du Monde. Exactement. Donc aujourd'hui, on aurait tort de penser, on ne le pense pas, mais on aurait tort de penser que c'est... Si on voulait le penser, on aurait tort. Aussi, on ne le pense pas, mais effectivement, vu qu'on ne le pense pas, effectivement. Ouais. Donc aujourd'hui, Queiroz a raison sur un point. Quand on va en Coupe du Monde, c'est pour moi, par exemple, quand on tire le Portugal et l'Espagne, tu fais la grimace 3 secondes, mais après, voilà, t'es heureux, quoi. On part en Coupe du Monde tous les 5 autant y aller pour rencontrer des cadeaux, garder des super souvenirs plein la tête et revenir, même si tu dois te prendre des tôles. Donc, je préfère. Honnêtement, je préfère aller en Coupe du Monde et se prendre des tôles. Janie, détends-toi un petit peu. Ouais. Je préfère aller voir un Maroc-Espagne, honnêtement, et prendre beaucoup de plaisir qui est à sortir. Moi, par exemple, sur Maroc-Brésil 3-0, ben voilà, c'était du spectacle quand on était en 98. Ne les cherche pas, t'as pas ton carton, tes cartons. Ouais, je les ai. J'ai préféré Maroc-Écosse, moi, si tu me permets. Oui, non, aussi. J'ai plus aimé Maroc-Écosse. Justement, une question de goût. Jouer à l'époque Ronaldo, jouer toutes ces stars-là, c'était quand même formidable. Aucun souvenir de ce match. Non, très mauvais soir. Quel mytho. Je t'assure. À part le coup de Shiba sur le genou de Ronaldo, je ne sais pas du tout.
Ah bon, j'avais l'impression qu'on les avait trop respectés. Moi j'y étais. Ronaldo Saber, tu l'as oublié. Là, j'ai l'impression qu'on avait trop respecté. Oui, on l'a dû avant de jouer. On l'avait d'ailleurs, je me rappelle qu'on avait mal abordé ce match. Salah Bassel nous racontait l'anecdote qui était extraordinaire, c'est que l'équipe du Maroc rentre à l'échauffement. Par la suite, l'équipe du Brésil se met à s'échauffer. Toute l'équipe du Maroc se retrouve dans le zone central et ça arrête l'échauffement en regardant. Donc effectivement, en termes de respect, on l'avait placé là par rapport à cette équipe-là, donc il n'y avait pas eu match par la suite. Ça m'a rappelé un peu un match que j'avais vu, qui était la Dream Team de basket aux Jeux Olympiques de 80. Oui, avec Jordan et compagnie. Jordan, Magic Johnson, Scottie Pippen, Stockton et compagnie. Et où les joueurs d'en face, bon, il n'y avait pas de selfie à l'époque, mais étaient plus intéressés par chercher un maillot que qu'essayer de les voir. Mais ce match-là, pour moi, on le perd contre le Portugal. Je pense qu'on le perd avant de le jouer, voilà. Le perd avant de le jouer. Non, bien sûr. Mais après, moi ça ne me dérange pas de perdre. Ce qui ne nous aurait pas empêché de passer si on avait réussi à maintenir le score contre la Norvège, mais bon, je pense qu'on s'est un peu. On s'égare pas. Tout ça pour dire qu'en fait, c'est un plaisir d'aller en Coupe du Monde et de jouer des équipes telles que l'Espagne et le Portugal. Et ça encore, ça serait un double plaisir si on arrivait à tenir tête au moins un petit peu à ces équipes-là. On va quand même. Parce qu'on va quand même rappeler une chose, c'est qu'on n'a pas rencontré de grandes nations du football, que ce soit en amical. Bon, en officiel, il n'y a pas de raison. Mais en amical, on n'a pas quand même rencontré de grandes nations. Là, on parle de 17 matchs sans défaite. On n'a rencontré aucune grande nation du football. L'Ukraine a un degré moindre, effectivement, qui fait des barrages. La Serbie, ouais. C'est de la seconde zone. Mais on n'a encore rencontré aucune grande nation du football. Ouais. Il serait temps peut-être qu'on y convienne. Je voudrais quand même placer cette perspective qu'on a sur la performance marocaine, par rapport à un tournoi où il faut quand même rappeler que, ce n'est pas un plaisir de le dire, mais je pense, je suis convaincu, au niveau technique a baissé la Coupe du Monde. Ouais. D'accord, voilà. Surtout par rapport à ce qu'on voit en Ligue des Champions, on a un tournoi où globalement, il y a énormément d'équipes qui ont quand même des schémas tactiques très frustres, qui sont basés sur des gros blocs et qui globalement ont un jeu offensif basé sur une ou deux individualités. On n'est pas dans les... Moi, je pense, c'est juste moi, que peut-être 5 ou 6 équipes, le problème, le problème c'est la Ligue des Champions. Parce que c'est la Ligue des Champions. Non, pas aujourd'hui, je pense pas que seulement. Le niveau de la Coupe du Monde reste le même, mais comme en Ligue des Champions, on atteint des sommets d'émotion, des sommets de football. Peut-être. Vous voulez comparer un Real Madrid, une équipe qui joue 4 ans ensemble, une fois par semaine, avec une Coupe du Monde qui joue tous les 4 ans et des joueurs qui se regroupent 3 fois dans l'année. Ouais. Mais de fait, la différence s'est accrue. Alors, il y a une baisse technique. Par contre, ce foot est toujours aussi enthousiasmant parce que les gens aiment leur équipe nationale. C'est une nation. Voilà. Ouais, les gens aiment l'équipe nationale. On a beau s'écharper toute l'année sur les Real, Barça, les Raja, les Wydad. À un moment, il y a les pays. Et là, on passe à autre chose. Alors, juste pourquoi je vous dis ça? Parce que pour moi, c'est un motif d'espoir. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un tournoi où globalement, à part malheureusement l'Espagne qui est avec nous, peut-être le Brésil, l'Allemagne, enfin 5 ou 6 pays qui ont un vrai niveau technique, un vrai projet de jeu et une vraie cohésion, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes qui sont moyennes, voilà. Y compris des noms, y compris parfois certaines têtes de série, on va avoir des équipes moyennes. Et dans ce contexte de nivellement, voilà, les surprises est possible, on espère que ça tombe sur nous, mais la surprise est possible dans un contexte où le niveau globalement s'est tassé vers le bas, voilà. Avec cette rencontre donc Maroc-Iran, l'équipe du Maroc qui entre donc dans cette compétition par, on est tous unanimes, par peut-être le match le plus important dans ce tournoi, victoire impérative pour les hommes d'Hervé Renard pour espérer aller loin dans cette compétition. Restez avec nous les amis, on va se retrouver dans un très court instant pour la seconde partie de votre émission Le Club. Là il sera question justement de cette Coupe du Monde, on va aller jeter un coup d'œil sur les différents groupes, les favoris, les stars attendues lors du prochain mondial. A tout de suite. Rebonsoir les amis, bienvenue dans cette seconde partie du club qu'on consacre bien entendu à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Oh, grosse surprise, on parle de la Coupe du Monde à 2 jours du coup d'envoi du tournoi, le match d'ouverture entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Et puis juste après, le lendemain, bien sûr, ce match entre le Maroc et l'Iran. Là, on va aller du côté, bien sûr, de tous les autres groupes. On a consacré la première partie aux Lions de l'Atlas, aux attentes des Lions de l'Atlas et surtout à ce premier match face aux hommes de Carlos Queiroz. Alors, une petite présentation de cette édition 2018 de la Coupe du Monde, signée Amin Rahmouni. Enfin, nous y sommes. Dans 2 jours, la capitale moscovite verra le coup d'envoi à 18h heure locale de la plus grande messe sportive mondiale, la 21e édition de la Coupe du Monde de football de la FIFA.
Un mois durant, 32 équipes disputeront un total de 64 rencontres, à l'issue desquelles une équipe s'installera sur le toit du monde. Un titre encore détenu pour quelques jours par l'équipe d'Allemagne, championne du monde en 2014, aux dépens de l'Argentine, et qui viendra, comme pour toutes les éditions, défendre crânement ses chances. Tout le gotha, ou presque, du football mondial est présent en Russie. Tous sauf quelques notables surprises, parmi lesquelles les Pays-Bas, finalistes en 2010 et troisième en 2014, ou encore l'Italie qui n'a raté aucune édition depuis 1958 et seront donc les grands absents de cette prestigieuse compétition côté européen. Les campagnes éliminatoires ont également laissé sur le carreau bon nombre de champions continentaux tels que le Chili, les États-Unis, le Cameroun ou encore la Nouvelle-Zélande. Et si tous les champions du monde de l'histoire se tiennent dans un mouchoir de poche, formant ainsi un cercle relativement fermé, les prétendants de cette édition sont cette fois-ci légion. Outre l'Allemagne tenante du titre, on retrouve les incontournables Brésil et son armada de talents, l'Argentine et son génie Messi qui voit là certainement sa dernière occasion de remporter ce trophée, ou encore la France qui veut faire écho à sa dernière finale de l'Euro perdue à domicile, le Portugal et Cristiano Ronaldo champion d'Europe en titre, l'Espagne et sa génération en or constamment renouvelée, et enfin quelques outsiders de talent tels que l'Angleterre et la Belgique, éternelles promesses des cinq dernières années. Voilà donc les favoris, ce qu'on va attendre de cette Coupe du Monde. On reviendra également dans l'interview de mon ami Gianni Infantino sur les spécificités de cette édition 2018 de la Coupe du Monde, l'introduction du VAR, la discrimination et tout ce qu'on peut attendre de cette Coupe du Monde 2018 en Russie côté organisation. Parlons d'abord football, l'Allemagne. L'Allemagne est en Russie pour défendre sa couronne. L'Allemagne qui s'est bien entraînée pour justement défendre un titre et pour s'adjuger un titre. Elle a remporté la Coupe des Confédérations en Russie, sorte de répétition générale. Est-ce que l'Allemagne peut encore réussir le doublé? Est-ce qu'elle peut gagner deux Coupes du Monde de suite? Alors, au vu des matchs amicaux, je dirais non. Parce que là, justement, depuis la Coupe des Confédérations, c'est une... Au vu de l'histoire, je dirais non. Au vu des matchs amicaux, sans aller jusqu'à l'histoire, juste sur les trois derniers mois, les six derniers mois, l'Allemagne, c'est quasiment pas de victoire. Ouais. Donc, que des défaites et des matchs nuls, donc très peu rassurante, qui se permet quand même le luxe, je pense, en termes de qualité, de se passer d'un Leroy Sané, qui a fait une superbe saison avec Manchester City, et qui ne va pas donc en Coupe du Monde. Qui compte sur un Mario Gomez. Et qui va se permet aussi le luxe de se priver de Ter Stegen. Ouais. Bon, il est dans le groupe, mais Neuer, effectivement, alors que Neuer n'a pas joué depuis 8 mois. Match. Ouais, depuis 8 mois. Donc, pour moi, tu es tombé sur l'équipe qui, pour moi, est la plus grosse inconnue parmi les favoris. Donc, Gianni Infantino, tu as eu le nez creux à ce niveau-là. Allez, Dalali. Moi, je pense que depuis 1998, où l'Allemagne se fait sortir par la Croatie, je pense que depuis 1998, l'Allemagne est toujours en demi-finale des Euros et des Coupes du Monde. Je vais pas vérifier, ouais. J'en suis quasiment sûr, mais depuis 1998, donc les Euros, les Coupes du Monde, l'Allemagne est dans le dernier carré. Voilà. Après du dernier carré, devenir vainqueur, c'est ce qu'ils ont fait en 2002 à la Coupe du Monde, également en 2014. Pardon. En 2002, ils n'ont pas gagné. Ils sortent du dernier carré. Une finale contre le Brésil en 2002, ils gagnent en 2014. Il y a quelque chose dans cette équipe-là de comment dirais-je, du stakhanovisme. Mais il y a eu un travail. Moi, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Moi, c'est le projet de jeu qui a été lancé par Klinsmann, Löw, etc., qui poursuit. Voilà, c'est un changement profond de l'ADN du foot allemand qui est arrivé après cette double échec de 94 et 98. 94, c'est la Bulgarie qui les 98, c'est la Croatie. Ils décident de dégonfler un peu les physiques, de se mettre aux techniques, de poser le ballon, d'intégrer les jeunes de l'immigration, de donner la chance. On s'est retrouvé devant une équipe qui avait un projet de jeu très séduisant et qui continue aujourd'hui. Notamment en 2014. Voilà. Et après, tu as des individualités qui restent dans l'histoire allemande. C'est-à-dire que Neuer, en 2014, ouais. C'est un joueur surnaturel. Voilà. C'est la moitié de. Je suis désolé, c'est la moitié de l'équipe. Voilà. Tu mets n'importe qui, Benzema égalise. La frappe de Tu mets n'importe qui, Benzema égalise. L'action de Benzema, effectivement, c'est là où il devient cyborg. C'est vrai, voilà. Ce que tu dis. Donc, il va être en demi-finale, on peut le penser, excuse-moi. Après, de là à. C'est pas nous qui pensons, c'est Lineker. Mais c'est même, si tu le sens bien qu'il va pas avoir d'accident après, on verra. C'est très difficile d'avoir un favori pour la Coupe du Monde, mais ils sont dedans, pour moi, c'est sûr, oui. Non, je pense que les favoris, il y en a. Aujourd'hui, il y a des équipes, l'Espagne revient très bien, l'Allemagne qui, comme tu dis, toujours là, enfin, Lineker le dit beaucoup mieux que nous, à travers une formule restée célèbre. La France est un très bon mondialiste potentiel. Le Portugal qui est dans le groupe, l'Espagne, je l'ai déjà dit, donc l'Argentine avec Messi.
Quand tu vois ce match amical, que fait le Brésil il y a une douzaine de jours face à la Croatie avec un Neymar incroyable. Non, aujourd'hui, je pense que le champ des possibles est beaucoup plus grand, je pense, qu'en 2014. Mais les grosses équipes sont bien plus prêtes, il me semble, et bien plus costaudes qu'en 2014. Ce qui est bizarre, c'est qu'en Coupe du Monde, y a le club des vainqueurs des Coupes du Monde est assez fermé. C'est-à-dire que depuis l'Espagne en 2010, la France en 1998. Comme la Ligue des Champions, quand tu vois bien. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que bizarrement, l'Euro, qui est censé avoir un meilleur niveau vu que la sélection est plus. Eh bien, l'Euro ouvre la porte au Danemark. L'Euro ouvre la porte à la Grèce. L'Euro ouvre la porte au Portugal. On a l'impression, je ne sais pas expliquer, qu'on n'a pas l'équivalent de ça en Coupe du Monde. On l'a en tout cas pas eu jusque-là. C'est-à-dire que tous les vainqueurs de Coupe du Monde ont été des vainqueurs, soit historiquement des grosses places fortes du foot, soit une équipe comme l'Espagne récemment, par son niveau technique, méritait un jour de l'avoir. Ça, c'est franchement, ça, c'est une très très belle remarque de Reda. Il a dit que j'applaudis. Franchement, il a raison. Super. Mais par contre, après, si comme l'a si bien dit Platini, on oriente un peu les tirages au sort pour faire en sorte que les gros ne se rendent compte qu'en finale, effectivement, tu n'ouvres pas beaucoup les portes. Parce que quand on revient sur cette déclaration par rapport à la France et le Brésil, qui était un petit peu scandaleux quand même. À mon avis, en tirage de tirage sur l'Euro, c'est pareil. Je ne pense pas qu'ils auront autant, mais bon, ça n'avait pas l'air de le choquer quand il fait sa déclaration, Michel Platini. Mais cela dit, tu as raison. Effectivement, c'est un choc. Mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. On va parler de l'Allemagne. C'est le tenant du titre. Moi, j'aimerais bien parler aussi d'une sélection. Alors là, elle arrive en Russie avec un esprit de revanche, mais monstrueux, limite. Il comptait les jours avant de retrouver la Coupe du Monde pour effacer cette honte monimentale, le 7-1. Et vous savez quoi, les amis? Ils risquent de se retrouver, Brésiliens et Allemands, dès le deuxième tour, hein, si jamais ça se passe mal pour l'un des deux. Eh bien, on va dire que c'est allé vite. C'est le premier du groupe. On va se dire que c'est allé vite. On va se dire qu'il y a énormément d'analystes spécialistes du foot brésilien qui parlaient d'une génération entière pour se remettre à gagner, à avoir une équipe digne. Ils sont allés chercher Dunga au lendemain de ce désastre. Ça n'a pas marché parce que Dunga a fait du Dunga. Aller chercher Dunga, il faut comprendre l'attitude intellectuelle, la démarche que c'est pour les Brésiliens. Dunga, c'est celui qui leur a amené une Coupe du Monde et qu'ils n'ont pas aimé parce que ça ne jouait pas bien. Ils avaient tellement la tête dans le sac, tellement l'humiliation était forte qu'ils sont allés chercher ce bonhomme-là parce qu'on a besoin de résultats et parce qu'on n'aime pas comment tu joues. Mais là, on ne peut pas faire la fine bouche. 94. On va chercher celui qui. De 94 sur le terrain, mais il y a 2002. Je vais chercher quelque chose qui n'est pas dans mon esthétique, qui n'a jamais rentré dans notre cœur, mais là on est tellement mal qu'il nous faut un résultat. Voilà. Et ça ne marche pas non plus avec Dunga. Et bizarrement, tout s'arrange avec ce Tite, je ne sais pas comment le dire. Et une génération, quand on regarde l'effectif, c'est monumental. Quand tu as dans le milieu de terrain un Paulinho à côté de Fernandinho et à côté de Casimiro, que devant tu hésites entre Firmino et Jesus, et qu'à gauche tu as Coutinho, et qu'à droite tu as Neymar, à gauche tu as Neymar, à droite tu as Coutinho. Il y a quand même un niveau de talent qui est phénoménal. Je veux dire que le Brésil retrouve sa place après cette génération catastrophique de 94, de 2014. J'espère que c'est nécessaire parce que le foot a besoin du Brésil. C'est bien que tu parles du Brésil parce que c'est là où les données psychologiques sont importantes dans la Coupe du Monde. Parce qu'aujourd'hui, le Brésil, finalement, quand tu vois la Coupe du Monde avant, les individus sont là. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut maîtriser son mental. Et c'est ce qu'on a beaucoup reproché, notamment à cette équipe brésilienne de 2014, c'est de s'être effondrée mentalement, notamment débordée par son émotion. Par l'émotion, exactement. À travers son capitaine, Thiago Silva. Ouais. Aujourd'hui, c'était toujours là. C'est peut-être l'une. On ne comprend pas ce qu'il fait. Mais il n'est plus capitaine. Le capitaine est tournant, d'ailleurs, sur le dernier match amical. C'était Gabriel Jesus, effectivement. Attention, Thiago Silva n'était pas contre l'Allemagne. Non, bien sûr. On a l'impression qu'il était là. Non, bien sûr, il n'était pas contre l'Allemagne. Mais Marquinhos, Louis, je pense. Mais voilà. Aujourd'hui, cette équipe du Brésil a toujours cela. Oui, c'est l'équipe du Brésil a toujours eu de très grands talents. À la veille de chaque Coupe du Monde, on est là à les compter. C'est intrinsèquement, c'est un groupe qui est gorgé. C'est trop de talent pour une seule équipe. Ouais. Après, voilà, il faut gérer cet aspect émotionnel. Quand ils arrivent, ils vont au bout. Et quand ils n'arrivent pas, ils se prennent des tôles monumentales qui restent dans l'histoire. Il y a quand même un profil de joueur qu'on n'avait pas il y a 4 ans. Hein. Moi, je ne parle pas seulement du talent, parce que Firmino, c'est clairement 4 divisions au-dessus de Fred ou de Joe qu'on au-dessus, a vu. Au-dessus. Joe et Fred qui se partagent là. Même Jésus. Arrêta, le poste importantissime, surtout pour une sélection le Brésil, le gardien de but, là, ils ont le gardien Alisson, qui est exceptionnel. Le Real est prêt à mettre 60 millions d'euros pour le prendre à la Roma. Regardez également ce qui se passe en termes de grinta, c'est-à-dire les joueurs, pour moi Casimiro c'est un monstre, Paulinho en est un autre. On parle quand même de deux joueurs qui...
qui jouent dans des top clubs qui dominent l'Europe, qui ont l'habitude de gagner, Barça-Real, et qui ont vraiment quelque chose en termes de... Et Fernandinho à City. Il y a quelque chose qui manquait en 2014. Et évidemment, la moitié de la défaite de 2014, c'est que ça soit passé au Brésil. C'est-à-dire qu'ils étaient surchargés d'émotions, de pression. Il fallait qu'ils rentrent. Ils pleuraient avant les îles, ils appelaient les îles. C'est ça, c'est ce qu'on disait, maîtriser. Voilà, c'est fini. Maintenant, il faut que ça joue au foot. Neymar, par chance... Et a été blessé, enfin par chance pour les Brésiliens, ouais. C'est 3 mois. Ah. Et ben, il va avoir le petit surplus d'énergie. Il tu vas voir. Voilà. Ça, tu peux tu vas avoir le surplus d'énergie. Voilà, ben. Reda, autre chose, on va essayer d'aller rapidement parce qu'il y a plein de sélections qui peuvent prétendre à ce titre, plein de stars qui peuvent y prétendre. Moi, je pense à l'Argentine. Et à une star en particulier à qui seulement que Higuain. Trouvé. Non, c'est pas Higuain. Ben, justement, c'est Lionel Messi qui n'a jamais remporté la Coupe du Monde, qui espère bien sûr, pour rentrer dans la légende, pour rejoindre Diego Maradona et Pelé comme l'un des plus grands noms de l'histoire du football, gagner cette Coupe du Monde. Est-ce que l'Argentine, avec son équipe de besogneux, surtout, voilà, est-ce qu'elle peut gagner la Coupe du Monde? Parce que cette année, elle n'est pas attendue. Elle a beaucoup galéré pour se qualifier au Mondial. Est-ce que c'est possible? Est-ce que Messi peut gagner tout seul une Coupe du Monde? Parce que si jamais l'Argentine la gagne, ce sera Messi. C'est pas la tendance. Ça dépendra d'Higuain, en fait. S'il se met avant danger, effectivement, tout ce qui est vendange dans les grands rendez-vous, l'Argentine gagnera, à mon sens, pas la Coupe du Monde. Moi, je pense. Maintenant, ça dépendra, honnêtement. Maradona gagne celle en 86, du moins. Moi aussi, je pense pas, mais bon, c'est ce que le monde veut bien raconter. C'est que Maradona gagne celle en 86, mais je pense pas qu'il y ait un joueur qui ait déjà gagné une Coupe du Monde à lui seul. La compétition est longue, elle dure un mois. Les organismes sont éprouvés, je pense qu'il te faut un groupe solide. Donc Messi, effectivement. Voilà, donc Messi, effectivement. Mais sans Maradona, l'Argentine n'aurait pas gagné. Mais Maradona ne gagne pas seul, effectivement. Même si on te dit qu'à l'époque, il n'y avait que Buruchaga et tout le reste, c'était des tocards. Bon, bref. Messi, aujourd'hui, va avoir besoin d'un grand Agüero. Il va avoir besoin d'un grand Di Maria. Il va avoir besoin d'un grand Bilia. Il va avoir besoin d'un grand gardien. Maintenant, si effectivement tous se mettent au niveau de ce joueur-là, ils peuvent aller au bout. Maintenant, si la moitié de l'équipe, effectivement, le lâche, comme elle a pu le lâcher sur pas mal de compétitions, la blessure n'ira pas au bout. Non, je ne veux pas parler de 86, parce que ce n'est pas trop le sujet, mais ce que je vois, ce que je constate au niveau de l'équipe d'Argentine que j'ai suivie dans les éliminatoires, et même à la Coupe du Monde, comme tout le monde, 2014, j'ai l'impression que Messi ne rend pas meilleur ses coéquipiers. Voilà. De ce que je vois, on est très loin de 86, crois-moi. Quand je vois le jeu collectif, les déplacements, de que ce soit Higuain, que ce soit de Dybala quand il vient ou quand il ne vient pas, ou quand il y a sa place, je vois ce qui se passe de Di Maria, quand je vois ce qui se passe autour de Messi, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une paralysie intellectuelle, une paralysie physique? Est-ce que c'est un trop grand respect? Est-ce que c'est un leadership peur, étouffant? Un leadership étouffant, une crainte. Mais dans tous les cas, je ne trouve pas qu'il rend meilleur ses coéquipiers. Voilà. En tout cas, ils ne sont pas meilleurs. Et d'où le débat complètement bizarre qui est de se dire, est-ce que tout ne passe pas pas trop par Messi, c'est-à-dire que donner la balle à Messi, il s'arrête de jouer. Voilà. On a vu exactement ce que fait le Barça, mais avec beaucoup de talent à côté. Ça tourne autour de Messi, mais je pense tout sincèrement la balle à Messi, que Busquets, Rakitic, je pense que Neymar quand il était là, Iniesta quand il était là, est meilleur avec Messi que sans Messi. C'est ça, voilà. Je ne me rappelle pas d'une scène où Rakitic a donné ballon à Messi et s'est arrêté pour le regarder. Ce qu'on voit régulièrement chez Di Maria, on le voit, c'est phénoménal. Et après, parce que moi je termine pour la dernière limite que j'ai sur cette équipe-là, j'ai un doute sur Sampaoli, je ne sais pas très bien, il y a beaucoup de polémiques, Icardi, pas Icardi, Dybala, pas Dybala, enfin, il s'est passé beaucoup de choses, je ne sais pas s'ils vont traverser ça, voilà. Non mais là on postule que Messi fait tous les matchs des grands matchs, ce qui n'est pas vrai. Non. Il passe très souvent ces matchs en équipe nationale. Sauf que, et là on fait le parallèle, mais lui-même déjà intrinsèquement, il sort du match. Mais là où effectivement il y a une différence entre le Barça, c'est que souvent quand Messi, dans un grand Barça je m'entends, quand Messi n'est pas là, ou du moins qui sort du match pendant 40-20 minutes, tu as souvent du... Quand Neymar était là, un Neymar qui éclot, un Iniesta qui est là, un Suarez qui va sauver la situation, un Busquets qui va catalyser une action. Et c'est ça, effectivement. C'est très pauvre. Et c'est là, effectivement, où l'Argentine, sans un Messi des grands jours, on n'arrive pas à élever son niveau de jeu. Le jeu de l'Argentine, j'aime pas le dire parce que j'aime bien cette équipe, elle a un jeu très, très pauvre. Il est vraiment indigent offensivement en termes de combinaison, en termes de triangle, en termes de non, il ne se passe rien. Est-ce qu'on en éliminatoire, si ça change, on sera très content de le voir.
rapidement. Il ne se passe rien. C'est Messi qui les sauve sur la Coupe du Monde 94, sur pas mal de matchs. C'est encore pire. C'est encore pire. Est-ce que c'est pas la faute de l'entraîneur? Je suis désolé parce qu'aujourd'hui, quand tu couches, je suis désolé, mais quand tu couches les noms. Attention. Les noms, je précise bien les noms par rapport à leur saison sur une feuille de papier, je suis désolé. Quand tu as cette équipe d'Argentine avec un quatuor devant qui peut avec s'appeler quel... Agüero, effectivement, qui peut s'appeler Di Maria à l'époque de, la belle, à l'époque de sa belle saison en Madrid. La question est de savoir, Amine, il faut qu'on fasse ça. Bilia, Messi, Dybala. Est-ce qu'il y a un entraîneur qui peut tenir tête aujourd'hui à Messi? Sur un match amical récemment, quand Sampaoli sort, il te dit « j'aurais bien aimé voir sur le terrain Dybala ». Mais tu es mort de rire. Ouais. Qui s'est juste pour terminer sur Messi, parce que je vais te rajouter aussi le Portugal. Bizarrement, la Coupe du Monde, dans ses éditions récentes, c'est-à-dire la Mannschaft 2014, la Loja 2010, l'Italie 2006, voilà, le Brésil 2002. Je mets de côté l'Italie, le Brésil, il y a quand même Ronaldo, a tendance récemment à récompenser les gros collectifs. Voilà, comme la Manchester et l'Espagne, c'est des gros collectifs. Et c'est cette dualité Ronaldo-Messi qu'on traîne toute l'année, Barça-Real, on l'a... Ouais, voilà. Mais rapidement, les amis, rapidement. Il y a pas par rapport à ça, c'est quand même des gros collectifs portés par de très grands joueurs. À Mannschaft, ouais. Bien sûr. C'est un gros collectif avec un support. Un gardien comme Neuer. Les amis, il reste quelques minutes à passer ensemble. Moi, j'aimerais bien aussi qu'on parle des favoris européens. Et rapidement, on en a deux dans notre groupe, le champion d'Europe et le Portugal, bien sûr, et l'Espagne. J'aimerais bien aussi qu'on parle de l'équipe de France. Et quel serait, à votre avis, mais franchement, rapidement, allez, les grosses surprises, les sélections qui vont sortir du lot et qu'on n'attend pas. Bah, comme disait Reda tout à l'heure, tu peux rarement avoir une grosse surprise parce que c'est un club fermé. Honnêtement, et je le pense. Surprise pas pour la gagner, juste. Ah, des gros. Bah, l'Angleterre ou la Belgique. L'Angleterre ou la Belgique. Portée par un grand Kane. Voilà. Alors, l'Angleterre et la Belgique, ça a toujours été le même discours à chaque Coupe du Monde. C'est épouvantable. Ça a toujours été. D'où ce qu'il dit. Est-ce qu'une sélection africaine peut réussir l'exploit, jamais encore réalisé par aucune nation de football en Afrique, atteindre les demi-finales? Bien sûr, le Maroc. Regarde-moi dans les yeux, je te dis le Maroc. Le Maroc. Ouais. Ça peut être effectivement le Maroc, ça peut être également, pourquoi pas, la Tunisie, j'y crois pas trop en vérité. Le Sénégal, j'ai un doute. L'Égypte, j'aurais dit l'Égypte avec Salah, mais c'est quand même plus costaud. Le Nigeria, effectivement. Ils font un match amical contre les Anglais très très costaud, même s'ils perdent. Je trouve que le Sénégal est quand même beaucoup plus costaud que l'Égypte. Et l'équipe de France? Parce qu'on a vu l'équipe de France a une belle armada c'est joli, offensive. C'est joli. Les trois, Dembélé à droite, Mbappé à gauche, et Griezmann devant. C'est beau, hein. C'est impressionnant. C'est véritablement impressionnant. Sur le dernier match amical qu'ils font, c'est très très lourd, effectivement. Après, je n'ai pas le souvenir d'une équipe aussi... Parce qu'elle est jeune, c'est une équipe qui est jeune. J'ai pas le souvenir d'une équipe aussi jeune qui arrive. Très expérimentée, là. C'est qu'aujourd'hui, la perte. Pas tellement. Quand tu fais le sigma des sélections, ils sont Je parle en club, Arena, pas en sélection. Aujourd'hui, Loris est là depuis 20 ans. Et c'est justement le point faible. Bah, exactement, c'est une des limites de cette équipe. Mais bon, ça reste un joueur qui est expérimenté. Les deux joueurs couleur V des blessures, ce sont les gros manques, effectivement. Umtiti, Varane, on parle quand même de la charnière Real Madrid, Barcelone. Mais c'est devant que c'est impressionnant. Tolisso fait une belle carrière au Bayern. Il y a l'énigme pour moi, l'énigme Pogba, parce que c'est pas avec ses déclarations. Les déclarations, quand tu demandes les clés d'équipe de France, ça a créé pas mal la polémique. Pour moi, c'est un véritable énigme. Et les trois devant, on n'en parle même pas, je pense. Maintenant, à se poser la question, est-ce que les trois devant vont être alignés? Parce que ça, c'est vraiment un choix stratégique. Bah, parce qu'il ne va pas jouer aussi ouvert. Il le disait. À un moment ou à un autre, il est obligé de ramener Giroud. Parce que lui, autant de technique, autant de fraîcheur, autant de joueurs qui ne reviennent pas derrière. C'est ça. Et il l'expliquait quand même. Giroud revient plus que Griezmann. Oui, avec Griezmann. Quand je parlais un peu de tendresse par rapport à l'âge, par rapport au nombre de sélections, l'exemple typique, c'était celui de Umtiti et Varane. Voilà, ce sont deux beaux joueurs, mais Umtiti est très fort à côté de Piqué, Varane est très fort, Gabriel Ramos. Ouais. Et voilà, c'est ma limite. Voilà, j'ai l'impression que c'est beaucoup de bons joueurs qui sont en général à côté de meilleurs joueurs. Voilà, et qui sont, vous avez compris, meilleurs. Voilà. En tout cas, c'est le moment, les amis. C'est le moment de manifester notre amitié avec Gianni Infantino. Oui. On est à quelques heures maintenant du vote et on veut lui montrer qu'on n'est pas rancunier, qu'on est des gens sympas. Alors on va lui donner la parole, on va lui accorder quelques minutes dans cette émission. Et pourtant, tu vois, les minutes sont très, très précieuses. Gianni,
Parle-nous de cette édition 2018. À quelle Coupe du Monde on doit s'attendre en Russie? Et n'oublie pas ce geste sympathique qu'on vient de faire. So we can expect fantastic matches. Nous pouvons nous attendre à des matchs fabuleux pendant la Coupe du Monde. Nous avons vu pendant les qualifications que la qualité du football était formidable. Les meilleurs joueurs de la planète seront là. Les trois finalistes de The Best de cette année participeront à la Coupe du Monde avec leurs coéquipiers, ce qui promet beaucoup d'émotions. We are expecting smooth operations, everything. Well, we expect, of course, fair play at the World Cup in Russia next year. We expect fair play on the pitch. Nous attendons du fair play sur le terrain. Et quand nous parlons de fair play, nous devons parler de lutte contre la discrimination et le dopage. À propos de lutte contre le dopage, bien entendu, tous les joueurs de toutes les équipes seront testés pendant toute la compétition et en dehors, mais nous sommes sûrs que tout le monde est bien conscient de la situation. We expect both referees and teams to be benefiting from technology. We are in 2018, very soon, and nous sommes en 2018 et je crois qu'il est parfaitement normal en 2018 de réfléchir et de voir comment nous pouvons aider l'arbitre et son équipe à prendre la bonne décision. L'expérience a été extrêmement positive et nous aurons aussi évidemment la technologie sur la ligne de but pour garantir si un but a été marqué, il sera bel et bien accordé à l'équipe qui l'a inscrit. Voilà, la Coupe du Monde qui débute donc ce mercredi. Gianni, n'oublie pas donc ce petit geste. C'est la fin de cette édition du club. Merci Reda. Merci à vous, bon spectacle. Merci Amine. Merci mon ami. Commence. Et amusez-nous bien, prenons du plaisir. Et moi, je te paye, tu n'as même pas idée ce que je vais te payer si jamais le Maroc arrive en demi-finale. C'est moi, non, c'est je pour te moi. Paye, c'est je pour te moi. Paye un voyage. C'est pour moi, c'est pour moi. Je te paye moi. Un voyage, je te paye un voyage à Tanger en famille. Oh voilà, j'allais dire Bali, mais... Reda m'en a dit beaucoup de bien. Voilà, un voyage à Tanger, un super week-end à Tanger. Ciao les amis, on se retrouve très très prochainement et puis bien entendu, très très bonne Coupe du Monde à tout le monde. Salut. Bye bye. Ciao.